je présente mes vœux les meilleurs, en tout cas, à tous mes compatriotes. Moi, je les appelle mes compatriotes, mes frères, mes sœurs. Voilà, donc, Barbara Ndimbi, bonne année, je sais que tu es la chargée de com. Laissez-moi faire mes trucs, vous allez couper. Je salue, je profite de l'occasion pour faire, c'est la dernière émission de l'année, donc je salue tout le monde. Barbara Ndimbi, la chargée de com du sénateur à vie, Joseph Kabila. Bonne année à toi, mon ami, ma soeur de sang. Moi, je le dis parce que nous avons un seul sang, c'est le fleuve Congo. Là. Moi, je dis ça. C'est le sang, les boulevards naturels. Le boulevard naturel de notre pays, c'est notre sang, c'est le fleuve Congo. Ma soeur de sang, Barbara Ndimbi, bonne année à toi. Rachel Kitita, bonne année à toi. PDG de Actu 30, bonne année à toi et bonne chance pour ta nouvelle télévision. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux le meilleur à Peter Tiani, 007, le James Bond. Est-ce qu'il m'a amené la viande boucanée? Ah! Mais je ne lui avais dit, si tu ne m'amènes pas, je vais le dire à la télévision. Je lui avais promis. Si tu ne m'amènes pas la viande boucanée, je vais le dire. Peter Tiani, 007, le James Bond, bonne année à toi. Bonne année au Dirpo Florent. Bonne année à toi, Florent. Ma tante, bonne année. Bonne année à Charlie. Bonne année à toute l'équipe. Vous allez écrire vos noms parce que comme ça ne viendra pas. Je profite de l'occasion pour saluer Myriam Balanga. Bonne année à toi. Bonne année à ma famille, à mes enfants que j'adore. Raïssa Lofoli, bonne année. Jade Lofoli, bonne année. Joël Lofoli. Joyce Lofoli, bonne année. Myriam Lofoli, bonne année. Bonne année à mes enfants. Bonne année à Emmanuel Lofoli. Bonne année à tout le monde. Bonne année vraiment à toute ma famille. J'ai une très, très grande, famille. Bonne année au Mouniampala, au Bunkini, au Mangwama, au Kinkye, au qui encore, la famille est grande, au Kimpiob, bonne année au Kimpiob. Ça aussi c'est le manche à Minou. Non, ça c'est... ça c'est Mpangi plus Mpangi. Réveil Koupa, merci, Réveil Koupa, bonne année à toi. Bonne année vraiment à vous, bonne année à mon frère, plus que frère de sang, Olivier Kamitatou, l'œil et l'oreille. De Moïse Katumbi, bonne année à toi, bonne année. Ah, le président de l'Assemblée nationale honoré. L'excellent voilà. Président. Moi, je trouve, pour moi, il y en avait deux hein, qui excellaient dans ce... Il y en avait trois. Je vais reconnaître en Olivier Katumbi. Oui, ça c'était... Je vais reconnaître. Il y avait un député sous sa présidence qui avait abusé de ma nièce. C'est lui qui avait convoqué le comité des sages. Wow. Pour mettre ces messieurs-là hors d'état de nuire, puisqu'il était tellement arrogant. Ça, je reconnais Olivier Katumbi. Merci en tout cas au président de l'Assemblée nationale qui m'ont marqué. Je commence par mon père, évidemment. Yvion Kimpiob, là où tu es. Sache, voilà le fruit, quoi. Voilà. Très fier. Très fier, très fier d'être ta fille. Merci à toi, mon papa, mon second papa, Jean-Marie Kimuntu. Bonne année à toi, maman Suzanne. Bonne année à toi. Bonne année à Vital Kamere. Bonne année à... Moïse Katumbi. D'ailleurs, je profite pour lui souhaiter aussi bon anniversaire. C'était aussi son anniversaire cette semaine. Lui est du 28. Ah, okay. Moi, je suis du 27. Okay, Moïse mais tu n'as pas souhaité bonne année à Joseph Kabila et Maman Olive. Oh. Et d'Angèle Kanam aussi. Oh. Bonne année, Maman Olive. Bonne année, voilà. Président. Sénateur à vie, Joseph Kabila. Sans oublier, pour terminer, le président de la République. Bonne année à vous, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Nous terminons donc en beauté cette année, la dernière émission de l'année. Alex Fumu, bonne année. D'ailleurs, je suis très contente pour cette année parce que la rumba est inscrite. Voilà, et avec la mauvaise nouvelle, c'est la mort de Defao. Ça m'a rendu. Heureusement, on n'en avait pas parlé. Oui, oui. Heureusement. Il avait démenti l'information qui collait Joseph Kabila à la peau. Ah, cette histoire de chauffeur de taxi. Que les talibans disaient que Joseph Kabila était son chauffeur. Heureusement, lui-même est venu ici. Il a donné la vraie version et il a dit les noms de la personne qui avait déformé cette information. C'est un musicien comme lui. Hein. Prochainement, je vais citer ça. Oh, merci beaucoup. D'ailleurs, tu le connais. Bonne année. On se retrouve l'année prochaine avec le même plaisir, le même hargne, la même passion du Congo. Parce que pour moi, je le dis toujours, je n'ai que ça comme pays, je n'ai que ça comme terre, la terre que m'a légué mes ancêtres et la terre que je vais léguer à mes enfants. Donc, bonne année. Malgré cette liste qu'a dit Pius, on est là et on va travailler
toujours avec le même il ne fera rien. Et la même passion. À 2022. L'année de l'insomnie.